Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode, une toute nouvelle vidéo sur GPS5. Il y a eu une petite annonce dont j'ai envie de vous communiquer, évidemment, cette annonce de Eversim par rapport à GPS5. Du coup, il y a désormais la version 1.07. Bon, vous l'avez vu parce que j'en ai fait une vidéo où je vous ai annoncé du coup la nouveauté de cette mise à jour, notamment axée sur l'économie, sur les règlements des problèmes de l'économie. Alors, il y en avait beaucoup de personnes qui me demandaient c'est quand qu'il y aura GPS5 sur Steam. Eh bien, il y a eu une réponse effectuée par Pericles, qui est un membre du développement de GPS5, il est chez Eversim, et il l'a dit sur le groupe Discord. Bon, il l'a dit en anglais, mais je vous fais la traduction pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Discord. Eh bien, qu'il y aura la version Steam lorsque la 1.08 va sortir. Donc, c'est bientôt. Pourquoi? Parce que entre la 1.06 et la 1.07 qu'on a désormais, il y a eu, quasi un mois de développement, parce que comme vous l'avez compris, ils voulaient plutôt, Eversim préfère faire des grosses mises à jour, mais voilà, du coup ça sera bien espacé dans le temps et ça durera du temps. Et du coup Eversim, du coup nous annonce que il y aura une modification sur les temps de latence entre les mises à jour. Il y aura toujours de grosses mises à jour, un peu moins, mais il y aura quand même de grosses mises à jour, mais par contre, ils ne seront pas espacés de plusieurs, de un mois, mais plutôt de 2 semaines. Donc là, entre la 1.07 et la version 1.08, il y découlera 2 semaines. Mais revenons à ce que je vous ai dit sur, du coup, GPS5 sur Steam. Eh bien, GPS5 sur Steam sortira lorsque la 1.08 sortira. Donc, dans 2 semaines, d'après ce qu'ils disent. Donc, lorsque la 1.08 va sortir, avec la correction de pas mal de bugs encore une fois, GPS5 sera disponible désormais sur Steam. Donc, pour tous ceux qui voudront l'avoir sur Steam, eh bien, vous pourrez l'acheter sur Steam. Et pour tous ceux qui disposent de GPS5 hors Steam, comme moi par exemple, là j'ai GPS5 mais je ne l'ai pas sur Steam, eh bien vous pourrez convertir votre clé que vous avez sur GPS5 lorsque vous l'avez acheté, vous pourrez le convertir directement sur Steam. Voilà, et c'est gratuit. Donc ne soyez pas trop étonnés, mais vous pourrez le convertir. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour ce que je pouvais vous dire sur ça. Ah oui, et aussi, il y aura désormais une nouvelle catégorie pour ceux qui sont sur le groupe Discord de la communauté de Eversim pour GPS5. Vous pourrez désormais bientôt avoir une catégorie suggestion. Et là, par contre, ça ne sera pas forcément des corrections de bugs, mais vous pourrez désormais rajouter vos suggestions, par exemple vos idées de mise à jour, d'idées nouvelles que Eversim pourrait implémenter sur GPS5. Il y aura ça, il y aura une catégorie sur le Discord de Eversim, donc ça sera une très très bonne nouvelle. Voilà à tous pour les nouveautés qu'il y a sur GPS5, donc ça sera intéressant. On verra ce que ça va donner, comme d'habitude je vous tiens au courant de toutes les nouveautés sur GPS5. Et aussi, je souhaite vous dire désolé. Actuellement, je suis un peu en mode. Je suis un peu dépité, déprimé. J'ai pas très envie de faire les vidéos. Donc, c'est pas pour rien que je ne vous sors pas de vidéos. C'est que j'en ai tout simplement pas envie. Voilà, tout simplement. Mais ne vous en faites pas, c'est passager. Je pensais que ça ne durait pas si longtemps que ça. Eh bien si, ça dure. Je pensais m'être sorti de cet enfer du fait que j'ai plus envie de faire des vidéos pour le moment. Ne vous en faites pas, c'est que passager. Eh bien, non. Donc bon. Mais en tout cas, ne vous en faites pas. Je vous tiens toujours au courant pour tout ce qui est au niveau des mises à jour sur GPS5. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi, passez une très bonne soirée, une très bonne journée, et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, je sais pas pourquoi je me répète, passez une très bonne soirée, mais je fais que de me répéter, bref, passez une bonne soirée, une bonne journée, salut à tous.